Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va magnifiquement bien. Voilà, comme vous avez pu voir aujourd'hui, une vidéo vraiment spéciale pour ma part. Donc avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est le petit bouton qui ressemble à ceci là, qui se trouve en bas, là. Enfin voilà, vous savez où c'est. Et d'activer les petites cloches pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos. Voilà, donc partagez en max et puis ben allez, c'est parti, suivez-moi. Bon bah voilà, comme t'as pu constater aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, donc on va commencer, voilà, c'est vraiment des pop, elles sont toutes en édition limitée, enfin limitée ou édition spéciale. Donc aujourd'hui nous en avons 7, voilà, nous avons 7 pop à vous faire découvrir. Donc nous allons commencer par celle-ci, c'est une des dernières que j'ai reçues, qui est sur les Tortues Ninja, c'est Après le Nil, que j'arrivais pas à avoir et que j'ai dû commander en Australie chez Pop Culture. Donc voilà. Donc et j'ai vu, juste pour changer, voilà, que maintenant ils avaient mis Splinter aussi, qu'ils ont mis aussi Kazé. Je suis pas sûr que Kazé je l'avais. Ah si, Kazé je l'ai. En bas je vous mettrai toutes les pop que j'ai déjà de la collection, comme ça vous pourrez les voir. Donc voilà. Donc nous avons Leonardo, nous avons Donatello, Michelangelo, Raffaello, Kazé Jones. Et nous avons maintenant Après le Nil. Donc, voilà. Et en plus, elle est en édition, que vous avez pu constater là-dessus, en édition spéciale. Alors, voyons voir notre petite Après le Nil. Hop. Ah, bah c'est sympa, elle a une petite caméra à la main. Alors, c'est vraiment la première version. Elle est vraiment chouette. Donc, voici notre cher April. Avec sa petite caméra dans la main. Voilà, elle est sympa, elle est sympathique. Voilà, hop. Ensuite, nous avons... Alors... Celle-ci, nous l'avons fait. Par laquelle on va continuer? Là, on va prendre celle-ci, voilà. Donc celle-ci, c'est une collection diamant, voilà. En édition spéciale aussi, hein. En exclusivité chez EMP, voilà, c'est un de mes fournisseurs aussi de pop, comme Pop Culture. Donc, c'est Cendrillon. Ils l'ont fait pour les 70 ans de Cendrillon. Donc dedans nous avons aussi encore la fille, ma reine la fée, mais je l'ai pas, donc voilà. Mais c'est pas grave, nous avons celle-ci, donc voici notre chère petite Cendrillon. Alors, voyons voir à quoi elle ressemble. À une pop, évidemment, hein. Mais, ah ouais, elle est vraiment glitchée de tous les côtés celle-là. Elle est pailletée, mais, ah ouais, que ça soit de la tête aux pieds, elle est pailletée, hein. Et... même les chaussures, elles l'ont pailleté. Elle est sympa. Voilà, hop. Alors, comme vous pouvez voir les cheveux, on voit vraiment que c'est pailleté. Alors, dites-vous que la partie rose que vous voyez devant, le blanc et ses chaussures rouges dessous, c'est de toute la même texture. Hein. Même le petit nœud blanc en dessus, c'est toute la texture pailletée. Voilà. Donc, non, elle est vraiment... elle est sympa. Il n'y a rien. Voilà, c'est Cendrillon. Le seul truc, elle est en édition spéciale parce qu'elle est... pailleté, voilà, en édition diamant, mais c'est sympathique, elle est sympa. Hop. Ensuite, vu qu'on est dans les princesses, eh ben on va y continuer, hein. Nous avons de nouveau, voilà, alors ça c'est une spéciale édition limitée, c'est pour la convention printemps 2021. Ouais, c'est ça. De Belle, voilà. Alors, je sais que j'en ai encore une ou deux. J'essaierai de vous retrouver pour vous mettre celle que j'ai déjà de Belle aussi. Enfin, de La Belle et la Bête. On va déjà regarder celle-ci. Alors. Euh,
Parce que normalement, dedans, nous avons quoi? Deux autres belles. Nous avons Gaston et la bête. Je sais que la bête, je dois la voir. Mais celle-ci, je sais que je ne l'ai pas. Donc voilà. Donc celle-ci, nous avons. Voilà, si, nous avons Belle avec son livre. Voilà. Elle est en édition limitée. Elle est sympathique avec son petit nœud derrière. Enfin, il n'y a rien de transcendant. Mais elle est en édition limitée, comme ceci. Donc c'est sympa. Hop. Voilà. Ensuite, je voulais juste voir si j'arrivais à retrouver où j'avais mis Belle. Mais ça commence à être un peu, commence à en avoir pas mal, donc va falloir que je cherche pour vous montrer laquelle j'ai déjà. Enfin, c'est pas grave, nous allons continuer. Bah, on va partir, on va sortir de l'univers Disney et nous allons passer dans l'univers DC. Donc là, nous avons une nouvelle édition spéciale. En plus, elle brille dans la nuit. C'est Harley Quinn de Batman. Regardez-moi la couleur qu'ils lui ont donnée. Alors, nous avons aussi le Batman et le Joker sur le même design. Mais je ne les ai pas trouvés, donc à ma foi, j'ai pris que celle-là, parce que celle-ci, elle était en édition limitée, mais pas les autres. Allez savoir pourquoi. Donc j'ai pris la petite Harley, elle est sympa, Harley, hein. Hop. Alors les couleurs de Harley, elles sont flashy, je peux vous dire. Et à mon avis, c'est marqué Black Light Glow. Donc à mon avis, elle doit quand même briller aussi. Ou il faudra peut-être une petite lumière noire, on verra bien, on essayera. Il faudra que je teste une fois. Mais voici Harley Quinn. Elle est sympa, avec son petit costume. Là. On voit même le. Ils l'ont fait un petit peu partout, des petits dessins. Non, elle est sympa. En plus, les couleurs, elles sont vraiment flash. Ah, moi, je l'aime bien, elle est chouette. Voilà. Alors, ensuite, nous allons. Ah bah, on va passer sur celle-ci. Nous revenons sur l'univers. Pas Disney, non, non, non. Nous allons sur l'univers animation manga de chez One Piece. Donc, nous avons Chopper. Mais quand il mange ses petits bonbons, voilà, quand il évolue, il est un petit peu plus costaud. Donc, je vous mettrai aussi en bas celle que j'ai déjà de chez One Piece. J'en ai pas énormément, bien qu'il faudrait que, vu que j'adore ce manga, il faudrait peut-être que j'en achète quelques-unes de plus, hein, pour étoffer un peu la collection, ça peut être sympa. Mais je vous mettrai celle que j'ai déjà dans la collection. Je sais que nous pouvons voir dans celle-ci, il y a Doflamingo, il y a Usopp, il y a Nico Robin et il y a Sanji. Je sais que je dois en avoir une ou deux, en tout cas Robin, je dois l'avoir. Après les autres. Voilà. Mais nous avons déjà Chopper, où elle est mastoc. Elle est vraiment, elle est, ouais, elle est des nôtres. Hein. Elle est lourde, non, elle est chouette. Et ils l'ont bien réussi, franchement. Elle est sympathique. C'est dommage, moi je leur ai mis quand même des petites cornes, parce que c'est en reine, hein, faut pas oublier. Hein. Donc voici notre petit Chopper. Voilà, quand il est un petit peu plus baraqué. Voilà. Voici notre cher petit Chopper. Hop. Ensuite, bah déjà on va la ranger. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, par quoi? Ah bon, on va continuer celle-là. Ah, j'aurais dû la faire avant, mais je l'ai oubliée. Elle était dans le tas de pop. Donc c'est encore une pop aussi en édition limite spéciale, pas limitée, en édition spéciale, qui est à peu près comme du limité, mais voilà. C'est de nouveau sur l'univers Tortue Ninja. Vous savez qu'il y a des grands méchants, il y a quand même Shredder, que pour l'instant j'ai toujours pas trouvé en pop. Nous avons Bebop et Rocksteady, et nous avions évidemment Bakrang. Voilà, le méchant qui vient d'une autre planète ou d'une autre galaxie. Et ben le voici. Voilà, j'ai réussi à me le procurer, Krang.
dont c'est le petit cerveau qui est dedans et il est avec son gros robot. Elle est un petit peu plus grande que les autres, là. Et c'est bien, ils ont un peu respecté la dimension, parce que aussi, je crois, dans le dessin animé, vu que c'est un robot, il est quand même gros, hein. Alors, hop. Ah ouais, elle est balèze. Et franchement, en plus, elle est chouette. Donc voici Krang, le méchant pour les tortues, un des méchants. Et vous pouvez le voir, ils l'ont fait aussi, il est dedans. Il est inséré dans son petit robot. Voilà. Ah, elle est sympa. Franchement, elle est sympathique. Hop. Avec la petite antenne là-dessus. Ça va bien pour le tourner, la pop, ça aide bien ça. Hop là. Ah, elle est chouette. Franchement, elle est sympa. Hop. Voilà. Et nous arrivons... Ah, il va falloir que je prenne un petit ouvert-boîte parce que là, elle est fermée. Je vais l'ouvrir avant de vous la montrer. Et voilà, donc nous arrivons aujourd'hui à la dernière pop pour aujourd'hui, et en plus c'est une pop vraiment spéciale. Premièrement, elle est en édition limitée, donc voilà, c'est une édition spéciale édition, l'émission éditée, c'est une collection art série, donc j'en ai déjà une qui était là-bas en haut sur Mickey. Si je ne me trompe pas, j'avais aussi Jack Skellington aussi, je vous mettrai de nouveau en bas, comme ça vous pourrez les voir. Et surtout, c'est la 200e de ma collection. Voilà, pourquoi je vous disais aujourd'hui une vidéo spéciale. Et ben voilà, celle-ci, c'est la 200e pop. Alors là, vous pouvez en voir que j'en ai ici. J'ai dû commencer là parce que j'ai plus de place derrière. Et puis là, ben, vous voyez pas, mais ça part, puis ça monte encore un petit peu. Je vous ferai juste une petite vidéo un petit peu de balayage, comme ça vous pourrez voir l'état de la paroi où j'ai plus de place. Voilà, va falloir que je commence d'autres parois, je pense. Donc on verra bien. Alors, je vais vous la montrer. Donc voici déjà comment elle est. Et nous avons encore la même derrière. On peut avoir la même, mais en vert. Et moi, je l'ai trouvée... déjà de 1, la vert, je ne l'ai pas trouvée. Voilà. J'avais que la violette. Donc j'ai pris la violette parce que je la trouvais chouette. Et en même temps, ça reste dans le même style de Mickey et puis de Jack. Parce qu'elles sont dans la même couleur. Donc voilà. Donc on va déballer cette pop magnifique. Ah ouais, avant que je vous la montre, voilà, vu que c'est des art series, ils vous donnent un truc de protection. En plus, c'est marqué spécialement dessus. Et là, c'est marqué pop stick. Un truc de protection vraiment spécial. Donc nous avons notre cher petit Scooby. Voilà, en art series. Franchement, elle est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son design et j'aime bien comment ils l'ont fait. C'est vraiment chouette. Voici notre petit Scooby. Hop. On va remettre tout ça dedans. Alors, je me suis trompé. Le boulet. C'est pas la caisse qui va, c'est l'autre. Hop, voilà. Je me disais bien qu'il y avait un problème, j'arrivais pas à la refermer. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop, voilà. Bon, voilà, aujourd'hui, ben, nous sommes arrivés à la fin de cette petite découverte, déjà de 1, de pop spécial édition, et surtout de la 200e. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment énormément plaisir de vous présenter ma 200e pop. Ça, je vais pas m'arrêter là, je vous rassure. Ah, avant, je vais juste vous montrer un petit bout. Allez, c'est parti, venez, venez. Bon, je vous embarque avec moi. Ce que je vous disais que c'était un petit peu serré, vous allez comprendre. Là, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà. Mais si je tourne,
Donc déjà, vous en avez partout. J'ai ma table de présentation. Et si je tourne, regardez, voilà. Il y en a encore là-bas en haut. Ça vient ici. Ouais, ça faut pas regarder, c'est un petit arc. Il y en a encore ici, mais là, j'ai encore des figurines. Voilà, j'en ai partout. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir que je commence un nouveau mur. Donc, on verra bien. Bon, allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.